Merci. Exercice difficile. Comme on dit, la formation, c'est pas de remplir des amphores, mais d'allumer des feux. Hein, c'est ça qu'on dit. C'est un certain grec qui disait ça. Mais j'ai peur que vos amphores, quand même, soient un petit peu remplis en cette fin de journée. Je vais tenter de relever le défi. Je vais essayer de centrer mon propos en trois parties. D'abord, essayer un petit peu de rassembler quelle est la vision de l'anthropologie chrétienne selon la vision traditionnelle de Vatican II, hein, de Gaudium et Spes, et puis d'essayer de, après, dans un deuxième temps, de dire qu'est-ce qu'a apporté le pape François, sachant que, comme il le dit très humblement dans tous ses textes, le pape François se nourrit beaucoup aussi de la pensée de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Hein. Donc c'est pas des choses magiques qui arrivent comme ça sur le comme la cerise sur le gâteau. Il y a toujours une continuité très grande. Et puis après, j'oserai un petit temps de réflexion sur la place de la pauvreté, la fragilité dans tout ça. On a été pas mal mis en appétit et même introduit dans cette approche par différents exposés, dont celui de Philippe de la Chapelle hier, mais par d'autres choses ici. Alors, j'ai bien 20 minutes, c'est ça ? Quoi ? Tout le monde a pris une demi-heure. Bon, merci. Ça va être encore plus pour vous. Hein. Pourquoi est-ce que ça marche pas ? C'est pas possible. Alors, vraiment très rapidement, la pensée sociale, l'anthropologie chrétienne, selon Vatican II, je lis juste les items hein, pour se rappeler, pour qu'on se remette les choses en perspective. Hein. L'homme a été créé par amour à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire comme à l'image, c'est-à-dire que Dieu est amour et Dieu est créateur. Donc nous, à notre tour aussi, on est être d'amour, appelé à l'amour, et on est aussi appelé à être créateur. Donc ça entraîne évidemment la dignité de l'homme. Deuxièmement, l'homme est marqué par le péché. Hein, séduit par le malin dès le début de l'histoire. Ça fait partie de notre nature humaine, d'être marqué par le péché en tant que refus de la réponse d'amour à l'appel de Dieu. L'homme est corps et âme. Ça, on en a parlé de long en large et en travers. Après, l'homme est doué d'intelligence, de vérité et de sagesse. Bon, à bien noter. Autre point, l'homme est doté de conscience morale. Ça commence à avoir des choses qu'on n'a pas encore beaucoup abordées jusqu'ici. Hein. Par exemple, une phrase qui dit « Par fidélité à sa conscience, les chrétiens unis aux autres hommes, ça nous intéresse, pas tout seuls, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. » Donc, conscience morale, individuelle et sociale. Alors après, si jamais il y avait un verre d'eau, si vous voulez que je tienne une demi-heure, je suis preneur. Après, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. L'homme a été créé libre. C'est quelque chose d'extrêmement important. La vraie liberté est un signe de l'amour le plus grand possible de Dieu. Dieu nous a fait libres d'agir comme il nous convient. Sinon, je veux dire, la création n'aurait pas eu de sens, on aurait été des robots, quoi. Donc l'homme est libre de faire le bien et le mal. Et le Christ, dans l'Évangile, a dit à ses disciples qui lui demandaient s'il fallait arracher l'ivraie pour empêcher le bon grain de mûrir, il dit non. Laissez-les mûrir, je trierai à la sortie. Laissez-les croître ensemble, je trierai à la sortie.
Donc la liberté, c'est quelque chose d'important, ça implique, enfin c'est un appel à la responsabilité. Merci. C'est un appel à la responsabilité de chacun. Ça, on en a parlé aujourd'hui. Et aussi la liberté, c'est un appel à chacun d'entre nous d'être délié de nos chaînes, de nos addictions. Alors on a parlé des différentes addictions qui existent, et là le pape François, je reviendrai tout à l'heure, nous invite à nous délier d'autres addictions aussi. Alors l'homme est, septième point, l'homme est mortel. Donc il est touché par le vieillissement et par la souffrance. Au niveau de Vatican II, on ne parle pas du tout de la fragilité. Pas du tout. C'est pas du tout dans le... C'est pas dans le... C'est pas sur le terrain. Et toutes les... Alors, il est dit, par exemple, dans Gaudium et Spes, toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété. Peut-être quelques médicaments qui marchent quand même, mais... Bon. Alors, évidemment, autre point très important, Dieu s'est incarné dans l'homme par le Christ. Dans l'humanité par le Christ. Alors ça, le mystère, et c'est là où on passe à l'étape suivante, hein, par rapport à la création de la Genèse, l'homme créé à l'image de Dieu, et l'humanité habitée par Dieu, par l'incarnation du Christ. Alors là, on franchit un vrai pas. Alors après, on revient à des choses un petit peu plus sociales. L'homme a une vocation communautaire et sociale. Hein, on en revient à ce qu'on a dit beaucoup dans la journée, l'homme être de relation. Hein, beaucoup d'entre vous, des intervenants. Hein, et donc, à cause de ça, l'amour de Dieu et du prochain est le premier et le plus grand commandement. L'Écriture enseigne que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Et donc, ça, c'est évidemment fondamental. Aussi, l'homme est un être... Je veux dire qu'il y a une interdépendance de tous les hommes et de la société. Donc l'homme a ce caractère social. Et là, j'aime bien cette phrase-là. C'est par l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères, que l'homme grandit dans toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation. Pour moi, c'est une des phrases qui... Pour moi, c'est une phrase, c'est un phare, cette phrase-là. Je parle bien en chrétien qui essaye de comprendre la pensée sociale chrétienne et non pas en enseignant ni en théologien, comme tu l'as dit dans ton introduction. Hein. C'est quelque chose qui me touche. Et puis, quelque chose qui, bien sûr, va derrière, c'est la recherche du bien commun. Hein. Le bien commun, c'est dans un groupe, le bien commun, la recherche du bien commun, ça consiste à chercher à la fois le bien du groupe et le bien de chacun des composantes du groupe. Alors si c'est une communauté de communes, c'est le bien de la communauté de communes, le bien de chacune des communes. Si c'est une copropriété, c'est le bien général de l'immeuble, il ne faut pas que ça fuit, et puis le bien commun de chacun des copropriétaires. Et bien sûr, vous ferez vous-même l'extension à tout groupe, à toute entreprise, à toute association, à toute paroisse, à toute famille, à toute région, etc. Alors, voilà, c'était le résumé de la vision chrétienne de l'homme selon Gaudium et Spes, le 1965, Vatican II. Si jamais j'ai oublié quelque chose de très important, n'hésitez pas à le rajouter. Je suis modestement... j'essaie de traduire les choses modestement. Alors après... Oui, il y a une question. Il ne parle pas du tout de Gaudium et Spes, cette vocation à l'éternité. Oui, sans doute. Sans doute. Ouais. C'est l'appel à répondre. C'est quand même essentiel de l'objet, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai fait cette phrase devant une brochette de Père de Saint-Jean. Je vous ai permis d'apporter votre valeur ajoutée. Et c'est bien, tout à fait. C'est fondamental. Tout à fait. Tout à fait. On est appelé à beaucoup.
Alors, qu'est-ce que le pape François, il apporte des choses, et ce n'est pas uniquement Laudato si, hein, c'est une autre exhortation apostolique qui est très importante, qui s'appelle la joie de l'Évangile, ou Evangelii Gaudium, qui est extrêmement riche et extrêmement important, parce que c'est en gros le texte programme de François pour l'ensemble de son pontificat. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement importantes. Alors, il y a quelque chose qui est souligné par les théologiens, c'est que dans l'approche de François, c'est la fin de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que une théologie un peu trop centrée sur l'homme. Hein. C'est-à-dire que dans Gaudium et Spes, on dit tout sur la terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. C'est-à-dire que toute la nature, la planète, il y a l'homme en haut et tout doit rapporter à l'homme. Eh bien, on voit clairement que dans l'approche de François, et notamment dans Laudato si, on a une approche beaucoup plus globale. Par exemple, cette phrase-là, aujourd'hui, croyants et incroyants, nous sommes tous d'accord sur le fait que la Terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Donc une position, vous voyez, plus nuancée. Hein? Et donc on pourrait résumer l'homme, une créature parmi les créatures. Hein? Donc c'est pas parce que l'homme a été créé le dernier jour dans la Genèse que ça lui donne un droit spécifique de tout bousiller, quoi. Alors, après, il y a un regard un petit peu plus fin, un peu différent sur la théologie de la création, qui est dans Laudato si, est résumé par un chapitre complet, qui est magnifique, qui s'appelle l'Évangile de la création. Et alors, il y a cette formule que je trouve magnifique. Il dit, tout l'univers matériel est un langage d'amour de Dieu. Tout est caresse de Dieu. Moi, c'est une phrase qui me touche. Et donc, le plan de Dieu inclut l'humanité, ça confère une infinie dignité, mais ça, il redit ça, mais ça, c'était déjà dit dans Gaudium et Spes. Et puis alors, il y a, vous savez que pour les théologiens, dans le récit de la création, il y a deux récits de la création qui se suivent, hein, qui sont un petit peu nuancés, qui viennent, paraît-il, de deux traditions, voilà, dans l'univers culturel de l'époque. Dans Gaudium et Spes, on dit dominer la terre. Hein? Et dans Laudato aussi, il dit il y a autre chose aussi dans la Genèse, c'est cultiver et garder le jardin du monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a une nuance qui a rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'homme à la tête de la pyramide. Hein? Donc, on voit bien que cultiver, là, ça pourrait être dire cultiver, aller défricher, allez-y, dominer la terre, mais garder la terre, garder le jardin pour les générations qui viennent. Voilà, donc. Voilà un premier point sur ce qui est nouveau. Bien sûr, il y a la prise de recul par rapport à la technologie et la science. Il me semble qu'il y en avait déjà quelques premiers éléments dans Gaudium et Spes, mais là, c'est vraiment martelé. Hein. Alors, bien sûr, on se rappelle que la science et la technologie ont produit merveilleux de la créativité humaine, qui elle-même est don de Dieu. Ça a apporté remède à d'innombrables maux qui nuisaient à l'être humain et le limitaient. Mais ces connaissances nous donnent un terrible pouvoir. L'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur et en conscience. Il dit à même un certain point, il n'y a pas l'anthropologie qui va avec l'immensité du pouvoir des sciences sur le monde et sur l'homme. Et donc, il parle de paradigme technocratique, c'est-à-dire que le paradigme, ça veut dire c'est la matrice de pensée, que no notre matrice de pensée, c'est la technique et la technologie et la science. C'est-à-dire que tous les problèmes de l'humanité et du monde doivent bien trouver une réponse technique.
scientifique. Et ça, vous l'avez quand vous parlez peut-être avec vos familles, les uns ou les autres, quand on dit « il y a un problème de ci, il y a un problème de ça ». T'inquiète pas, les scientifiques vont bien trouver quelque chose qui va nous résoudre ce problème. Et ça, le pape est clair, il dit « ne pensez pas que la technique et la science résoudront tous les problèmes ». Et là, il y a un très grand chapitre là-dessus. Et donc, il va aussi sur quelque chose qui s'appelle le relativisme, qui dit que le relativisme, on arrive toujours à trouver un argument pour une réponse nouvelle apportée par la science, de trouver que ça apporte une... c'est-à-dire que tout ce qui sert... tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats ne doit pas être étudié, quoi. Donc ça veut dire que la science arrive toujours à répondre, à apporter des réponses aux problèmes immédiats, aux désirs, aux rêves de l'homme. On le voit bien avec tout ce qui est autour de la bioéthique, hein. Et on trouve toujours une raison pour écarter et trouver que finalement... c'est dans l'air du temps, comme disent les politiques. Il faut suivre la société. Suivre la société. Bon. Et là, il y a une phrase qui est très forte. Là, ça nous amène sur le chemin du pauvre. On est aussi sur le chemin de l'éthique. Cette phrase-là, quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, pour prendre seulement quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Donc on voit bien que là, on est sur ces points-là. Après, alors je donne un petit peu des points en vrac, hein, parce que c'est pas facile de faire un plan extrêmement structuré sur les nuances que le pape François apporte à l'anthropologie chrétienne traditionnelle. Il y a une notion que j'ai retenue, c'est l'humilité dans le regard de l'Église sur le monde. Hein. Avant, on était peut-être un petit peu, sur un peu dominant, genre, l'Église experte en humanité, on a les réponses aux problèmes de l'homme. Là, on sent qu'il y a une notion un petit peu d'humilité qui est apportée et qui est traduite dans cette phrase de Evangelii Gaudium, au chapitre 4. Ni le pape, ni l'Église ne possèdent le monopole de l'interprétation de la réalité sociale ou de la proposition de solution aux problèmes contemporains. Ça rejoint quelque chose qu'on disait tout à l'heure, les chrétiens, avec les autres hommes, doivent chercher, etc. Et un peu plus loin, dans Laudato si, il reprend cette idée en disant « L'Église comprend qu'elle doit écouter et promouvoir le débat. » Moi, ça me rappelle beaucoup la posture actuellement des évêques de France, là, dans les débats sur la bioéthique. On interpelle, on pose des questions, on met des débats sur la table, on n'est pas en affirmant « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça ». C'est une position de provoquer le débat, de faire réfléchir les gens et de réfléchir avec les autres hommes. Et c'est intéressant de voir comment aussi l'Église cherche des alliances avec des gens qui ont des positions qui ne sont pas mainstream, hein, qui ne suivent pas la partie dominante. Alors après, il y a quelque chose sur lequel le frère Alain Dominique a annoncé hier soir que j'allais parler, donc j'ai rajouté en vitesse une diaporama sur les quatre principes qui sont édictés dans la joie de l'Évangile, qui sont effectivement assez intéressants. Ça touche forcément à l'anthropologie chrétienne, ça touche à la vision de la société. Ces quatre principes sont très forts et très puissants. Je vais juste les lister avec une ou deux phrases de commentaire. Je laisserai à des spécialistes, parce que c'est très puissant, le soin de les commenter. Le premier, c'est « le temps est supérieur à l'espace ». On l'a dit hier. Ça veut dire qu'il faut penser à long terme. Il faut construire, j'aime bien cette phrase, il faut construire un peuple plutôt que d'obtenir des résultats immédiats. Donc, c'est le problème de la démocratie, ce qui fait que celui qui a été élu, il doit obtenir des résultats avant la fin de son mandat. Alors qu'il y a des processus qui doivent se construire sur 20 ans ou 30 ans dans la nouvelle société qu'on doit construire. Problème. Et il dit, il faut initier des processus. Moi, j'aime beaucoup cette formule. Il faut initier des processus. Alors, le deuxième principe, c'est l'unité prévaut sur le conflit. C'est aussi un très beau principe. Qu'il lit avec la fameuse phrase « Bienheureux les artisans de paix ». Donc il faut savoir gérer les conflits, les tensions,
Les conflits, les tensions, c'est dans l'humanité, c'est dans l'homme. On les a même au sein de chacun d'entre nous. On a nos conflits internes. Et donc, il faut savoir, comme on le disait très bien Philippe de la Chapelle hier soir, il faut savoir développer une communion dans les différences. On a des différences. Il faut savoir développer une communion dans les différences. Et puis, d'abord, pour ça, il faut unifier nos vies. Troisième principe. La réalité est plus importante que l'idée. Ça a été cité dans la journée, ou je ne sais plus par qui. Ça fait partie des tensions. La tension entre l'idée et la réalité, c'est quelque chose d'inhérent à notre regard sur l'humanité. Mais il dit, faut quand même se rappeler que le réel, c'est quand même le plus fort. Hein. Et dans notre société où on est très impliqué par l'image, hein, on a beaucoup l'image. Hein. Eh bien, le réel, vous savez combien les fake news, c'est ce que je dis à mes étudiants, qui auraient imaginé qu'un G7, un jour, mette à l'ordre du jour dans leur réunion la question des fake news. Pourtant, c'est ça. C'est un sujet tellement important que les chefs de gouvernement ont été amenés à traiter la question des fake news. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, il y a l'image, il y a les réseaux sociaux qui font que tout un tas de trucs se véhiculent qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, attention. Et alors, le dernier des fameux quatre principes de la joie de l'Évangile, c'est que le tout est supérieur à la partie. Donc, il ne faut pas se polariser sur les particularismes et avoir une vision globale, élargir le regard. Il faut trouver juste l'équilibre entre les situations concrètes de terrain et la vision globale. Et c'est ce qu'il dit, là, c'est là où il parle de la forme du polyèdre que vous avez présenté hier soir. Hein. Et bien sûr, c'est le lien avec le bien commun. Le bien commun dont je parlais tout à l'heure. Essayez de veiller au bien commun du groupe, du collectif, et en essayant de l'articuler en même temps avec la réalisation de chacun des acteurs. Alors, très rapidement, deux, trois petits trucs en plus, des petits spots que j'ai trouvé comme étant nouveaux. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je n'aurai pas de problème. Il a insisté sur « Hommes et femmes, il les fit ». Donc, l'importance d'avoir le regard féminin sur la société. Je ne sais pas si ça y était beaucoup dans Vatican II, mais là il est dit très très fort. Le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. C'est des gens qui ne sont pas d'accord, dites-le. Il dit également, il faut non seulement écouter les femmes, mais il faut écouter les jeunes et les personnes âgées. Ça, il y a des belles phrases là-dessus dans Evangelii Gaudium. Et je vous lis la phrase. « Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l'expérience qui invitent à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs du passé. » Et puis les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l'espérance parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et ils nous ouvrent à l'avenir. Vraiment, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, maintenant, la dernière partie. C'est une tentative de réflexion sur le pauvre. On voit très bien que dans le pape François, le pauvre est omniprésent. Mais il est omniprésent sous différentes facettes. Et c'est ça que j'ai essayé de commenter en deux ou trois diapos. Déjà, dans la joie de l'Évangile, il rappelle qu'il faut écouter les pauvres. Hein. Il rappelle déjà les bases. Il dit « Les pauvres ont une place de choix » dans le cœur de Dieu, au point que lui-même s'est fait pauvre, comme les Corinthiens. L'Esprit, et le Christ dit dans l'Évangile, « L'Esprit du Seigneur est pour moi, et sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Bien sûr, il y a « Heureux, vous, les pauvres. » Il y a « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Il rappelle tout ça, c'est pas mal de se le redire. Hein. Et puis, bien sûr, il rappelle l'option pour les pauvres, hein, qui est un des points de base de la pensée chrétienne, l'option pour les pauvres, qui a été développée là, bien avant, Gaudium et Spes, et puis Jean-Paul II l'a beaucoup développée dans une encyclique qui s'appelle « Sollicitudo rei socialis », l'extrême attention de l'Église à la question sociale. Mais il lui donne une dimension nouvelle. Et c'est là où c'est assez intéressant. Il dit « Je désire une église pauvre pour les pauvres. »
Ils ont beaucoup, les pauvres, ont beaucoup à nous enseigner par leur propre souffrance. Et il ajoute, ils connaissent le Christ souffrant. Et voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. L'enseignement des pauvres, ça c'est quelque chose, je pense qu'il n'y avait pas vraiment ça dans Vatican II. Et après, là, on va plus sur Laudato si. Laudato si, là, on va sur les autres formes de pauvreté. Il nous dit, ben, ça vous savez ça par cœur, la crise écologique et la crise sociale, c'est la même crise. Il faut écouter autant les cris de la planète que le cri du pauvre, car tout est lié. Voilà. Et il pointe dans la première partie de Laudato si ce qui va mal. Hein, c'est la première partie. Qu'est-ce qui se passe dans la maison commune, hein? Il nous dit, la planète est dégradée, il y a la pauvreté matérielle de nombre de peuples, mais il dit aussi la pauvreté spirituelle et existentielle des riches. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et alors, il donne une illustration du tout est lié. Et moi, je trouve que cette l'illustration qu'il donne, moi, je la trouve géniale. Parce que, dans une seule phrase, il montre sur un sujet précis comment tout est lié. Et c'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure, sur les drogues. Ainsi, par exemple, la consommation de narcotiques dans les sociétés opulentes provoque une demande constante et croissante de ces produits provenant de régions appauvries, l'Amérique du Sud, l'Asie, etc., où les conduites se corrompent, les vies sont détruites et où l'environnement finit par se dégrader. Donc on a un exemple très clair de la pauvreté existentielle dans les pays riches qui amène à vouloir consommer des drogues pour combler quelque chose, et qui derrière, par réaction en chaîne, détruit tous les autres continents, enfin une partie des autres continents. Ça, si c'est pas un bon exemple du tout est lié, ah, je suis preneur que vous m'en trouviez un meilleur, mais il y en a d'autres peut-être. Et puis bien sûr, alors là, il va très très largement sur la pauvreté de la société de consommation. Ça, c'est vraiment le nœud, là, un gros nœud, un gros pavé, une grosse partie de Laudato si. Alors, c'est pas des phrases, c'est un peu des assemblages de phrases pour essayer que j'ai fait pour essayer de voir les idées. L'obsession de la consommation dans les pays riches nous empêche d'avoir une vraie unité personnelle et de relations authentiques avec les autres et avec la création. On est bien sur ce problème qu'on traite. Il faut abandonner l'obsession d'un style de vie consumériste. Et on retrouve l'addiction tout à l'heure. À l'Université de l'écologie intégrale, l'été dernier, où certains d'entre nous étions, ça a été dit. Il y a un certain nombre de gens, de penseurs, qui sont en train de penser à nous dénouer de notre addiction à la consommation, qui est vraiment savamment entretenue par la publicité, par les médias, etc. Et c'est de la même manière, il y a des addictologues qui réfléchissent à comment on dénoue quelqu'un de l'addiction à une drogue, à un produit, ou à la pornographie, ou à des images, etc., pour essayer de réfléchir comment on pourrait se dénouer de notre addiction à la consommation. Moi, j'ai pas encore réussi à me passer de ça, de mon téléphone portable. C'est une addiction d'une puissance colossale. Colossale. Et donc, bien sûr, elle nous enchaîne, et bien sûr, elle amène une surconsommation de la planète, mais ça, et on va dans le mur sur ce plan-là, parce que tout ça, c'est infini. Et ça menace les générations futures. Et donc, il nous appelle à une conversion écologique et à cette fameuse sobriété libératrice. La fameuse sobriété libératrice. C'est une formule, moi, que j'aime beaucoup. Et donc, il faut savoir limiter les besoins qui nous abrutissent. Et il a cette phrase, bon, beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple accumulation d'objets ou de plaisirs, ne suffit pas pour donner un sens et de la joie au cœur humain. Donc on est invité à quitter notre individualisme, à quitter notre posture de toute puissance, et bref, avoir une position critique par rapport à tous les mythes de la modernité. L'individualisme, la concurrence, le progrès indéfini, le consumérisme, tout ça qui est
c'est l'air du temps, voilà, c'est ça qui... un flux contre lequel on ne peut pas lutter. Ben, il nous dit, lutter contre ce flux. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous invite aussi à écouter les peuples premiers. Je ne sais pas si vous avez suivi le synode sur l'Amazonie, là, tout récemment. Il dit, ces peuples-là, ils sont intéressants, ils vont nous enseigner. C'est comme, je ne sais pas si on peut dire les pauvres, parce que peut-être que bientôt, on va aller faire des stages d'humanité en Amazonie. Parce que là, ce sont des peuples qui sont dans une vision intéressante, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont proches de la création, à la fois, ils ont le sens collectif, et à la fois, ils sont moins consommés, ils sont moins pollués par les consommations. Ils ont trois étoiles. Ils ont trois étoiles par rapport à nos trois mauvaises coches, si je peux dire. Et puis... il nous dit, bien sûr, enfin, que nous devons être habités par la joie... Non, pardon. Il nous dit cette notion dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, qu'il est possible d'agir ensemble, mais dans le dialogue et dans l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut, co-construire. J'étais la semaine dernière avec un directeur de collège qui me dit « Voilà ce que à quoi j'essaye d'éveiller mes jeunes collégiens. » Et ça vient de ce que nous disent l'enseignement supérieur. Ils nous disent, essayez, dès le collège, d'éveiller à deux notions importantes. Premièrement, la créativité, et le deuxièmement, le savoir travailler ensemble. Mais c'est clair que pour inventer cette nouvelle société, il faut à la fois qu'on soit créatif et qu'on sache travailler ensemble. Pour inventer cette société nouvelle, ce modèle nouveau auquel le pape nous invite. Et il nous dit, allez dans l'espérance, soyez dans la joie, essayez dans l'espérance, parce que c'est possible, et que notre foi en Dieu créateur, il ne peut pas nous laisser tomber. Alors, c'est peut-être à la fin, mais je voulais introduire une dernière notion, qui est l'application de cette notion du pauvre par rapport à nous dans une posture de soignant. Je vous mets tous comme si on était des soignants. On est tous soignants quelque part de quelqu'un quand même, hein, même si on n'est pas diplômé de la faculté de médecine. Eh bien, notre patient, notre proche que nous aidons, n'est-il pas le pauvre et le fragile qui croisent notre vie? C'est une question sur laquelle je vous invite à réfléchir. Donc, les pauvres et les fragiles nous enseignent. Ils nous enseignent que nous sommes limités, que nous sommes fragiles, que nous sommes interdépendants, que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons besoin à apprendre de nos différences. Et donc, quand je suis avec un patient, quand je suis avec quelqu'un de plus fragile que moi apparemment, est-ce que je l'écoute, est-ce que je l'accompagne avec le regard du Christ ? Avec le regard du Christ vers le plus pauvre. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que le patient me fait grandir ? Comment est-ce que celui que j'aide me fait grandir ? Et puis deuxième question qu'on peut se poser, deuxième grand groupe de questions, si je suis en position du soignant, du thérapeute, est-ce que je m'autorise à me sentir fragile dans ma posture de soignant ou de thérapeute? Est-ce que je peux me sentir pauvre face à la personne que je suis censé écouter, aider, soigner? Est-ce que ça m'arrive de me sentir fragile dans mon métier? Dès l'instant où François réhabilite la notion de fragilité, c'est des questions, on doit se sentir autorisé à s'accepter fragile, à se sentir fragile, voire à se sentir, certains moments, regonflé ou remis debout par nos patients ou par les personnes fragiles que nous aidons. Je vais animer bientôt, dans le cadre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, un stage sur l'apport de la pensée sociale chrétienne qui va se passer dans une communauté de l'Arche en Poitou-Charentes. Et on doit travailler sur la place de la fragilité dans la posture de dirigeant. Quelque part, il y a des similitudes à réfléchir.
Voilà, je m'excuse, j'ai été beaucoup trop long, et voilà ce que je voulais dire.